Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, présentation d'un nouveau livre de coloriage, oui encore. Et encore un livre de Kevin Théohart, voilà. Alors quand je vous ai présenté cette semaine son livre que j'avais acheté cette semaine, donc le numéro 2, je n'avais pas vu qu'il avait déjà fait un troisième. Sinon, je l'aurais commandé en même temps. Là, c'est le troisième déjà. Donc, sur un an, il a commencé donc en janvier. Enfin, il a commencé avec la boutique, tout ça. Et les bouquins, je ne sais plus à peu près la date qu'il a commencé. Je regarderai. Et si je retrouve la date, je vous mettrai en incrustation sur la vidéo. Mais donc ça a commencé cette année et il en est déjà à son troisième bouquin. Donc super, parce que j'adore ses dessins. Et je pense qu'il est bien parti pour nous en faire d'autres. Donc là, il nous a refait, donc c'est le manga style comme le premier. Mais là, c'est le manga style numéro 2. Le 2. Toujours en collaboration avec Sabrouk. Je vous remettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne YouTube. C'est elle qui fait les colorations de ses dessins. Voilà, donc lui dessine, elle colorie. Donc c'est pareil, hein, ils font leur collaboration depuis une année, je crois, ou peut-être un peu plus. Donc je vais vous présenter ce livre et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, vous aurez en vue bureau le détail de tous les dessins qu'il y a dans ce livre. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, voilà le livre. Ah, pour une fois, je vous l'ai mis à l'endroit. Donc, c'est comme je vous ai dit, c'est le manga style numéro 2. Voilà, déjà rien que l'image sur le 2, la couverture est très belle. J'aime beaucoup. Et en arrière de couverture, comme d'habitude, on a les dessins qu'il y a à l'intérieur du livre, mais déjà colorisés par Sab. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu de comment on peut colorier ces dessins. Pour celles qui n'ont pas trop d'idées, ça peut vous donner quelques idées. Comme moi, je vous ai déjà dit dans mes autres vidéos sur ces livres, bon, moi, je ne refais pas pareil. Je regarde comment ça a été colorisé, mais je ne refais pas pareil. Mais ça donne une idée de comment faire. Voilà. Alors, comme d'habitude, c'est du Grayscale, hein, vous voyez. Donc, le Grayscale, pour celles qui ne connaissent pas, je répète, c'est des parties qui sont grisonnées. Voilà, vous voyez. Là où il doit y avoir des ombrages, c'est déjà grisonné. Donc, ça vous permet déjà de savoir où il faut faire les ombrages, où il faut insister un peu plus sur l'ombre avec vos crayons, donc sur les couleurs un petit peu plus foncées. Voilà. Alors, ce que je pense de celui-ci, alors c'est peut-être mon avis personnel, c'est pas du tout une critique, loin de là, bien au contraire. Sab et Kevin, si vous passez par là, c'est pas du tout, du tout une critique. Moi, ce que j'ai ressenti en regardant ce nouveau livre, ce que je ressens dans les dessins de cette année, de celui-ci, je ressens tout ce qu'on a passé de cette année. Toutes les galères qu'on a passées cette année, les hauts, les bas, voilà. Toutes les sensations qu'on a passées cette année avec qui était bien, ce qui était pas bien, voilà. Et c'est ce que je ressens dans les dessins de ce livre ici. Donc, je ne sais pas si j'ai raison.
Si Sab passe dans mes commentaires comme la dernière fois, si Sab passe dans mes commentaires, ben, je serais contente de savoir si j'ai raison ou pas. Mais moi, c'est ce que j'ai l'impression de ressentir en regardant les dessins. Et c'est pas du tout une critique, bien au contraire. Je vois qu'il y a quand même des dessins où on voit les personnages un peu tristounets, mais bon, c'est tout à fait normal avec tout ce qu'on est passé cette année, hein. Voilà. Des dessins avec des personnages un peu pensifs. J'aime bien aussi le personnage qui se goinfre de glace. Hein. On a connu ça cette année. J'ai vraiment, c'est le ressenti que j'ai dans ce livre. Et alors, celui que j'adore, alors là, c'est 100% le ressenti que j'ai pour ce que l'on vient de passer, c'est celui-ci. Là, on peut pas dire qu'on n'y est pas. C'est à 100%. À 100%, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais j'adore ce dessin, hein, le petit fuck. vraiment super. Le dessin a vraiment bien reproduit toutes nos pensées de cette année. Mais je pense vraiment que c'est ce que je ressens dans ce livre où cette fois-ci. Donc, alors Sab, si tu passes par là, dis-moi si j'ai raison. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que je ressens. Mais j'adore encore cette nouvelle version. Et je crois que je vais prendre du plaisir aussi à le colorier. Bon, il faudrait d'abord que je me dépêche de finir le premier, mais bon, je vais attaquer le deuxième et le troisième avant d'avoir fini le premier. Hein, ça, je m'en doute. Mais j'adore. Mais de toute façon, je suis tombée en amour sur les dessins de Kevin. J'adore. De toute façon, j'adore malgré mon âge, hein. Voilà, 57 ans, mais j'adore les mangas. Je ne lis pas les mangas, c'est les dessins que j'adore. Et j'adore son coup de crayon. Voilà, dès que je l'ai découvert au premier bouquin. Je suis vraiment tombée en admiration sur ces bouquins. Voilà. Donc, si vous aimez également donc les dessins de Kevin, je vous remets en barre d'infos comme d'habitude. Alors moi, on les a sur Amazon, bien sûr, les livres, hein, puisque les livres sont faits avec c'est de l'impression Amazon. Donc allez-y, comme j'ai expliqué la dernière vidéo, pardon, allez-y en crayon de couleur. Si vous voulez les faire en feutre ou autre chose, hein, aquarelle, peinture, ce que vous voulez, je vous conseille plutôt d'imprimer les dessins sur du bon papier. Mais sinon là-dessus, allez-y au crayon de couleur. Et pensez à mettre une feuille cartonnée. Alors, je crois que j'en ai là. L'autre jour, j'en avais pas sous la main. Hop, hop, hop. Alors, je vais vous montrer 2 minutes après. J'ai rangé l'atelier. C'est pour ça que maintenant que je cherche. Et voilà, j'en ai une. Alors, moi, je mets ces feuilles-là. Hein, ces feuilles. Je ne sais pas combien de grammes elle fait, hein, mais c'est un petit peu cartonné. Voilà. Je mets ma feuille derrière, comme ceci. Voilà, comme ça cache. Hop, le dessin qui est là. Je mets ma feuille et je fais mon coloriage, comme ça, ici. Parce que ça peut arriver que quand vous appuyez un peu trop avec les crayons, le dessin qui est là peut se réimprimer. Pas beaucoup, mais il peut se réimprimer un petit peu ici. Voilà. C'est du papier Amazon. Mais bon. Donc voilà.
Donc, mettez une feuille cartonnée entre les deux pages, et puis après, vous y allez. Hein. Comme ça, vous n'avez pas de problème pour abîmer vos dessins. Donc, voilà pour ce qui est du coloriage. Donc, je vous mets tout de suite, là, après, le détail des colos qu'il y a à faire dans ce livre. Mais je l'adore. Voilà. 5 étoiles sur 5. Oui, je vous disais, ce matin, il m'a pris une, comme on dit par ici, une zine. J'en avais marre du boxon. J'ai rangé, parce que de toute façon, je n'avais plus de place même pour travailler pour mon cartonnage. Donc, j'ai rangé. C'est bête, j'ai pas fait de photo avant. Mais là, je vois plus clair. Je vois un peu plus clair. Alors, regardez. Alors, j'ai rangé. Alors, tout alors ça, là, c'est pareil. C'était en bordel, mais... Pff, donc, il y en avait plein de lits. Donc, il y a toujours mes DP hein, sur le lit, mais ça, c'est pas grave. Je les enlèverai, par contre, au mois de décembre, parce que le fils à chouchou va peut-être venir. Bon, il y a toujours les trucs... à vendre, ça je ne peux pas les ranger pour le moment. Là, oh, un bureau où il n'y a plus rien. Oh, c'est bien. Oh là là, plus rien. Là, je retrouve ma machine à coudre. Il n'y a plus rien. Ouh, j'ai découvert que j'avais une machine à coudre. Ah, c'est bien. Alors là, là, voyez là. Bon, là c'est un paquet de tissu. Mais là, là ici, voyez là. C'est la surprise pour le concours. Voilà, voilà, voilà. C'est prêt. Là, c'est pareil, j'ai rangé. Parce que là, c'est ma boîte où je mets toutes mes chutes de carton. Alors, il y en avait partout. Alors, mais partout, partout, partout. Donc, voilà, j'ai re-rangé. Bon, là-bas, c'est des boîtes vides hein, pour faire les envois. Et du coup, les deux commodes sont là. Donc, celle qui est terminée et celle qui est en cours. Donc là, je suis en train de faire les tiroirs. J'ai perdu du temps parce que j'étais quand même 4 jours coincée avec mon dos. Mais là, tout est coupé. Tout est prêt en haut. J'ai plus qu'à découper, coller. Et puis, tous les tiroirs vont être mis. Là, c'est tous les envois que je dois faire. Et puis, voilà. Bon, ça, c'est ma bibliothèque. Bon, il faudrait que je la range un peu mieux. Mais voilà. Mais on revoit le sol. Oh, je suis contente. On voit le sol. Là aussi, en dessous de la table, c'était un boxon pas possible. D'ailleurs, là, je vais voir sur Facebook ou alors si quelqu'un, l'une d'entre vous, veut ce paquet. C'est des trucs de tricot que j'avais fait, que je n'ai jamais fini. Parce que bah, la taille, comme j'ai grossi entre deux, j'ai abandonné. Et je n'aime pas des tricotés pour récupérer la laine. Donc, je donne. Voilà, c'est un gros sachet. Voyez. Hop. C'est un gros sachet de pull que j'ai commencé et qu'il faut détricoter pour récupérer la laine. Voilà. Donc, si ça intéresse l'une d'entre vous, la première qui m'envoie un message, bah, elle l'aura. Bon, fera payer les frais de port, hein, bien sûr, mais ça, bon, vous l'aurez gratos. Voilà. Et là, mon petit coin. Coin tissu, là c'est les canevas qu'il faudra un jour que je commence. C'est pas au point de croix, c'est le canevas au point lancé. Puis là mes boîtes à couture. Donc là j'ai commencé à vider ma boîte à couture. Et comme je n'arrivais pas à vendre ma commode que j'avais faite ici. Eh bien, je l'ai prise pour moi. Donc, voilà. Hop, tous mes aiguilles. Non, c'est pas couture. Et voilà. Voyez. Commencer à ranger tout. Parce que comme je veux me remettre à la couture, je suis en train de ranger pour la couture.
Voilà, donc du coup, j'ai la commode que j'avais mis à vendre, je l'ai récupérée pour moi. Voilà, bon, c'est tout petit tour rapide, hein. Ça, c'est un grand carton, mais c'est un carton qui part pour une fille qui m'a acheté des choses. Voilà. Donc voilà. Vous avez fait le petit tour. Là, c'est le petit tour rapide. Hein, quand ce sera encore mieux rangé, je vous referai Oh! Aidez-moi! Allez, un scrap tour. Mais bon, ce n'est pas que du scrap hein, de chez moi. Donc, je vous ferai un tour de mon atelier. Mais quand tout sera re-bien rangé, tout remis bien en place. Mais là, bon, voilà, c'était pour vous montrer que j'avais rangé. Surtout, et que là, mon bureau, il n'y a plus rien dessus. Je suis tranquille. Je suis contente. Comme ça, là, demain, je me remets à la commode. Là, comme mon dos va mieux. J'aurais pu le faire aujourd'hui, mais on avait les courses à faire. Donc, ben, il faut bien ranger, hein, vous remplir le frigo quand même. Donc, là, demain, je réattaque la commode. Demain, après-demain, certainement. Bon, le dimanche, non, hein, c'est jour du Seigneur. On ne travaille pas. Non, le dimanche, je préfère rester en bas avec Chouchou. Et puis, après, on verra. Et là, il faut que je vois, comme j'ai dit, pour trouver du tissu, est-ce que je me remette à la couture? Et ce matin, quand on est parti faire les courses, je voulais aller au magasin de tissus, mais ça n'ouvrait pas avant 10 h. Alors là où on était, eh bien, il était 10 h, ça allait encore être loin, donc on ne pouvait pas attendre une demi-heure, trois quarts d'heure que le magasin il ouvre. Donc du coup, on est parti finir nos courses bah, là où on devait, et du coup, on était loin du magasin de tissus, on n'allait pas revenir. L'essence coûte cher, hein. Déjà, on a été à Carrefour ce matin, mais dans la galerie marchande. Quand j'ai vu le prix de l'essence à Carrefour, j'ai dit, voilà. Heureusement que moi j'habite à la frontière belge, hein, que je peux la mettre en Belgique, hein, parce que. Du coup, je vais regarder sur Internet pour du tissu, je verrai bien. Mais c'est parce que sur Internet, on ne peut pas toucher le tissu. On ne peut pas. C'est ça qui m'embête. C'est pas comme de la laine ou voilà. Le tissu, là, on ne peut pas le toucher sur Internet. Bon, je verrai bien. Là, je vais faire des t-shirts pour Chouchou pour l'instant. Et j'ai du tissu pour moi pour faire des choses. Mais bon, on verra. Je veux faire plein de choses, mais bon. Allez, je vous laisse parce que là, je blablate, je blablate, je blablate. Hein. Je vais aller monter ma petite vidéo. Je vous laisse regarder. Je ne sais plus si vous avez vu avant ou après. Enfin, on verra bien. Moi, maintenant, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous embrasse très fort. Et on se retrouve vite, vite, vite. À bientôt. Bisous, bisous.